Bonjour à tous et à toutes, c'est ce bon Vikiki. Ouais, hey. Et bienvenue dans cette 7ème partie de ce Let's Play Megaman 5. Et la grande question est, ai-je appris de mes erreurs? Parce que j'étais clairement aux fraises la dernière fois. Du coup j'ai évidemment fait une pause de 24 heures parce que ça n'allait pas. Et a priori là ça va un petit peu mieux. On va essayer d'être sadique. Ah, ça ne passe pas, tant pis. Alors en temps normal faites pas ça parce que ce que j'ai pas précisé c'est que la faiblesse du maître des lieux est l'œil de cristal. Eh oh, ça serait peut-être bien de le passer là. N'importe quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non mais je ferme des vies, vous comprenez? C'est pas vrai, hein. Je faisais vraiment n'importe quoi. Si je me souviens bien... Oula, Star Crash. Comme moyen mnémotechnique, dites-vous que du coup le Dark Robot numéro 3 est de la même couleur que Napalm Man, qui ont pour faiblesse commune justement l'œil de cristal. Ça peut être un moyen mnémotechnique. Là, normalement, il y a cette histoire de serpent en bloc. Et je faisais que de mourir, il me semble. Ah oui, parce qu'il y avait les drones. Et je me demande si je me souviens bien, je crois bien avoir fait un beau saut dans les pics aussi. Hop, on prend pas de risque. On assure le let's play. Je crois qu'il y en a un en bas. Voilà. Guillaume Tell. Raté. On attend. Hop, c'est bon. Hop, c'est bon. On va essayer un truc rigolo. Il faut deux pressions pour les faire sauter en l'air. Merde. Bon, on va spammer Star Crash là. Vu que j'ai été trop lent. Apprendre de ses erreurs, c'est important, les amis. Chuter pour se relever. Merde. Je sais pas ce que ça va donner. Chuter pour se relever, les amis. Oh non, mais je refais ça. Oh là là, mercredi, misère de misère.
C'était bien tenté quand même. Donc lui normalement il va m'emmerder. Là il y a les gros pères. Et les gros pères, je vais pas avoir cette grenade pour le tuer, pour les tuer tous. Oh couac. Évidemment. Est un peu précis, mais bon, ça va. Ouais, trop tôt. Et là, ça va être trop tard. Non, je rigole. Merde. Ah, j'ai ça pour pouvoir cheeser. Voilà. Donc là, il y a les hélicopresses. Je pourrais cheeser avec le rush coil aussi, hein. Bien évidemment. J'ai pas envie. C'est pas comme si c'était non plus un passage excessivement hard. Donc maintenant, on a l'autre tocard. Je me concentre cette fois. C'est un peu obligé là. Et donc là on arrive à la partie nulle du combat. Mais en fait tant que je garde le rythme, on va rester bloqué dans un autre coin. Là je suis trop loin. Ouais c'est pas grave, on va se mettre bien là. On perd pas le rythme. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait pas perdre le rythme. Et là c'est obligé. Non non mais j'en ai marre. Ce boss est nul pourtant je vous assure. Je pense que j'ai le rythme, là je peux me permettre de reparler. Donc oui, comme je vous disais, ce boss c'est nul parce que très vite on va se retrouver dans cette situation là. Alors que sur le papier il est intéressant. Et c'est même pas moi qui cheese, hein, c'est lui qui reste bloqué. Comme un idiot. Allez hop, ce niveau de l'enfer est terminé. Au dernier stage de la forteresse de Protoman, dernier stage qui nous réservera de grosses surprises. Je me rappelle même plus de ce que c'est. Ah oui, il est débile ce niveau. Je vais pas vous faire de dessin. Pas être débile et puis passer en dessous hein, quand même à un moment. Là, en toute logique, vous dites, mais si tu casses ce bloc, tu es coincé. Eh bien, y'a que nenni.
car il s'agit de la fin de la section. Et donc là, on entend un harmonica désaccordé. Je sais pas si ça s'accorde. Et Protoman nous menace de son arme et oh, on sait. Ouais. Mais voyons. Quelle est cette apparition fugace, Protoman? Et voilà, évidemment, ce n'était pas Protoman, mais Dark Robot V4. Du coup, je risque de me faire péter la gueule au début. Le temps que je prenne le rythme. Alors là, c'est un combat qui est cool, vous voyez. Je peux glisser en dessous aussi. Ah, ce qui est juste pénible, c'est de cette section qu'il faut recommencer à chaque fois. Alors son point faible à lui, je sais pas, je crois que c'est bit. Allez, on se concentre. Et oh, par contre, quand je demande de glisser, tu glisses. S'il te plaît. Surpris, je pensais que les boucliers allaient se refermer sur moi. Voilà, continue comme ça. Ça m'arrange. C'est pour ça que je vous ai parlé de tutoriel géant. En fait, le seul combat vraiment intéressant, c'est celui-là, quoi. Et encore, le pattern est très limité. Faut pas que je fasse le con, hein. Faut pas que je fasse le con. Oh putain de mercredi! Non. Oh non, faut recommencer tout le stage. Mais il est long. J'aurais quand même pu mieux faire. Et là, je veux bien vous divertir pendant cette phase, mais c'est compliqué. J'ai des options de jeu très limitées. Allez, Dark Robot. Oh bah encore. Oh, mais c'est quel est donc ce sifflement d'harmonica désaccordé, Protoman? Oh non, Megaman. Mais quelle est donc cette apparition fugace? Oh, Protoman. Mais lequel est donc le vrai? Voilà, je vous ai refait la scène. Remerciez-moi et maintenant je vais vous refaire le combat. Comme il faut. Comme il faut, j'ai dit. Allez. Comme il faut, on a dit. Ouais, j'arrête de faire le couillon. Si je suis concentré, c'est toujours... Rien n'est perdu encore, hein.
crois que c'est d'ailleurs la première fois que je le fais comme ceci. Sans booster chargé. Oh là là. Non, mais sérieusement, j'en ai marre. Oh putain! Voilà, là j'étais grossier. Ah, je suis désolé, hein, je sais que ça va être chiant pour vous. Au pire, switcher directement en fin de vidéo. Parce que je vais battre Dark Robot V4. Et après, j'arrêterai là pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà, c'est dit. Allez, un peu de concentration, que diable. C'est un Megaman facile celui-là en plus hein. Qu'est-ce que ça va être quand je vais faire Megaman 9 ou 10? Ça va pas être bien beau. Ça va vite, hein, comme c'est tiré, je vous assure. Ouh. Eh ben, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je n'ai pas pris de coup. Tu as bien joué, Megaman. Je ne m'attendais pas à ce que tu défaites, à ce que tu... Oh là là, à ce que tu battes mes puissants robots. Jusqu'à maintenant, j'avais réussi à incriminer Proctoman pour mes crimes. Mais maintenant, le vrai Proctoman est apparu. Il a gâché mes plans. Docteur Lumière. Oh, j'ai hâte de vous faire les voix, bref. Il a capturé Docteur Light. Hein. Et évidemment, Megaman, le bombardier bleu. Après cet énième froncement de sourcils de Dr. Wily, va s'attaquer à sa forteresse et ce sera la fin du jeu. Voilà. Je pense que personne ne s'attendait à un tel twist. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Et que je vous remercie d'avoir réussi à me supporter dans cette vidéo, parce que moi-même, des fois, j'ai du mal. Allez, je vous embrasse bien fort et à la prochaine. Bisous.